Ok. Il y a un sanctuaire là, il y a un pont là. Mais nous, on va par là. J'espère qu'il n'y a pas d'ennemis ici, s'il vous plaît. Juste pas d'ennemis. Moi, je veux juste aller au village. Ah, il y a des ennemis. Forcément, il y a des ennemis. Regarde ça. C'est horrible. Ah, ça y est, un qui m'a vu. Il va se rapprocher. Viens, quoi. Viens. Viens. Oh, mais il peut monter carrément. Ah, de bouger. Il n'arrête pas de bouger. Ok. C'est comme ça. C'est qui me vise là? C'est qui me vise? Le truc s'est cassé. Mec, non. Ok, carte, carte, aide-moi. On n'est pas loin là. On n'est plus très loin. Je peux le faire. Je peux le faire. Ok, on peut le faire. Faut juste qu'on arrive là-bas. On peut le faire. Après, il faut qu'on le descende de son cheval. C'est tout. Ce cheval, il ne peut pas monter sur les pierres. Donc, c'est tout ce qu'on a à faire. On se met sur une pierre. Hop. Comme ça. On met une flèche dans la gueule. Hop. Voilà. Il a réussi à monter dessus ou pas? Non, il n'a pas réussi. Ben voilà, c'est tout qu'il y a à faire. Après, est-ce que je peux lui monter dessus au cheval? Tu peux te monter dessus, s'il te plaît? Oui. Merci. Non, non. Non, non. Attends. Est-ce que je vais dans ça? Vraiment. Calme-toi. Calme-toi. Là, je sais que je vais à ma mort. Hein. Mais je me dis, j'y vais. Oh non! Déjà, on a réussi. On a réussi. On a réussi. Oh, wow! Village Cocorico! Yes! Yes! On est arrivé! Comment on est puissant! C'est trop bien! Ok, j'arrive!
J'arrive tout le monde, j'ai pas d'argent mais j'arrive. Écoute, fermez-toi là. On est au village Cocorico. Merci. Merci beaucoup. Attends, madame, je reviens à l'entrée. Juste pour que je fasse vraiment tout. Je veux tout faire. Là, je suis trop contente. Donc, on est ici quand on entre. On a un arbre. On commence par l'arbre. Ok, il n'y a rien dessus. Ensuite, il y a ce bâtiment-là. On peut pas grimper sur les bâtiments? Non, on peut pas. Apparemment. Attendez, peut-être par là. Ouais, on peut, on peut. Ok. Je monte sur toutes les maisons. Oh. Wow. Le village Cocorico. Je suis tellement contente. Ok. Bon, alors. C'est la première fois que je vais dans une maison. Bienvenue, bonjour madame. Comment on se fait de l'argent ici? Tiens, tiens, voyageur, bienvenue au village de Cocorico. La déesse protège toute cette zone. D'accord. C'est pourquoi nos bêtes et nos cultures sont si remarquables. Oh, ok. J'ai que des produits de qualité qui apportent un petit quelque chose de spécial à toutes les recettes. Youpi! Vas-y, c'est à toi! À moins que je puisse faire autre chose pour toi. Attends. Repasse quand tu veux! J'ai pas de rubis, lol. Ça, non? Ça, c'est quoi ça? Mode de beurre. Alors, elle a dit que ça peut apporter quelque chose, ça? Cet organe de qui semble animer un temps de matériau rare. C'est un peu dégoûtant, c'est vrai. Mais vous lui trouverez sûrement une utilité. Ok, non, je vais lui vendre. Je vais lui vendre quelques trucs. Parce que j'ai pas mal de trucs. Achète-moi un truc. Qu'est-ce que tu peux vendre? Ah, je peux tout vendre. Encore un. Vas-y, je t'en vends. T'en rends compte? Tu m'en vends 160 euros pour lui? D'accord. Absolument charmant. Ça aussi. Soixante rubis, mec. C'est nul, ça. Ok. Vis antique. J'ai changé d'avis. C'est toujours un plaisir de te convaincre que les gens ont ramassé au cours de leur voyage. Ok. Au revoir, j'ai dit. Repasse quand tu veux. Alors, par contre, je vais acheter les carottes. C'est combien? C'est 8. Alors, ou alors, avant d'acheter des légumes et des fruits, quand même, essayons d'acheter des vêtements, peut-être. Oh, mais c'est trop bien! C'est juste trop beau! Je reviens, madame. Merci d'avoir acheté mes objets. Alors, maison numéro 2.
Flèche de feu. Une vieille flèche de bois inutile. Vous n'avez pas les flèches explosives, madame, s'il vous plaît? Un client, j'arrive pas à le croire. Ici, les jeunes n'ont rien à faire, des arcs. Ouais, c'est vrai. Prends tout ton temps. Oui. Pourquoi il s'exclame comme ça? C'est tout? Tu peux pas. Non. Ok, merci beaucoup. Par contre, vous voyez ça, c'est pas mal, hein? 20 rubis, 80 rubis. Non. Moi, c'est des flèches explosives qu'il me faut. Ok, c'est juste trop beau, par contre. Maison numéro 2. C'est celle-là. C'est numéro 3 plutôt. Je n'étais jamais entrée dans les maisons. Elle dort. Ah, oh, c'est pour dormir. Je dis, hey, mais ça se trouve, c'est un mec. Par contre, dans les anciens Zelda, il y avait des trucs que tu pouvais voler. Tu as un client, vraiment? Il me fait une de ses peurs, sûr. Ça va rubis pour un lit normal et 40 pour un lit moelleux. Oh, on dort bien ici pourtant. Ouais, mais on... je veux dire. Non, quoi. Ok. Et là, il y a aussi un truc là. Ah, ah, attention. Attention. Ouais, bon. Voilà quoi. C'est un truc scellé, ça, j'ai bien vu. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de les casser. Attends, attends, attends. Ah mince, je suis tombée dans l'eau. Vas-y, grimpe. Grimpe, Link. Tu peux pas rester là. Tu vas mourir. Regardez, il y a un poisson, il a l'air trop bien. C'est une carte quoi ça? Tricolore, autant pour moi. Il n'y a pas un grappin là, ce serait bien. Hein. Dans les anciens états, il y avait toujours un grappin. On va manger du velouté de légumes tempo ce soir. Génial, c'est très nutri. Nutrito. Très bon. Enfin, à ce qu'il parle, il faut de la carotte tempo, un cristal de sel, une bouteille de lait frais, et il y a plus qu'à laisser bien mijoter. J'ai plus du tout de carotte tempo. Mais j'ai promis à Tricota de lui faire un velouté de légumes tempo. Je t'en rapporte. Vrai de vrai? Merci! Je n'ai besoin que d'une seule carte tempo, c'est tout. Je t'attends ici, d'accord? Ok, mais jusqu'à la nuit, parce qu'après, il faut que je rentre à la maison. Ok, vite! La recette de Kokonawa. C'est ici, je crois, que j'avais acheté? Ouais. Madame, il me faut une carte tempo. Ça coûte beaucoup trop cher, madame, vos carottes. Hein?
C'est n'importe quoi. Désolé, monsieur. J'ai promis à Pricotta. Mais tiens, voilà ta carotte d'impôt. J'essaye de faire mon mieux, mais je suis vraiment trop nulle. Hein? Hey! Je sens une odeur de carotte tempo! Oh! C'est une carotte tempo! Merci, merci, trop trop merci! Je vais pouvoir faire à manger pour Pricotta! Allez, c'est parti! Yeah! J'ai pris un vent! Ok. Et voilà, c'est fini! Ça a l'air réussi. Tiens, c'est pour toi. C'est mon cadeau. Merci. Le thé de légumes tempo. À force de faire plein de bons plats, je vais être forte en cuisine comme ma maman. Oh, de rien, Coco Noah. Alors, il y a lui qui est bien arrivé, là. Mais il s'en va déjà. Attendez, monsieur, vous allez où? Monsieur! Monsieur! Je m'inquiète à propos de recettes à la carotte. Encore? Mélanger les deux types de carottes qui existent dans un même plat conduit inexorablement à un échec. Mais j'ai peur que tu essayes quand même maintenant que je te l'ai dit. Inquiétant. Bon, je savais même pas qu'il y avait deux types de carottes. Mais ouais, ça me donne envie d'essayer. Alors, on a fait Coco, Noah. Oh, regardez! Oh, regardez! Un champignon, Rameau! Oh, trop cool! On peut voler avec toi? Oui ou non? Des habits bien par ici! Bon, je vais pas trop l'embêter! Parce que dans les soldats, ils sont bien balèzes! Dis-moi, l'ami, je vais te paraître bien indiscret, mais ne serais-tu pas, par le plus grand des hasards, un voyageur? Ma passion, vois-tu, c'est la peinture et je parcours le monde en quête de ses plus beaux paysages. Fils de la fontaine des grandes fées. Ah, non loin de ce village, une magnifique fontaine des grandes fées? Ah ouais? Non seulement elle sera splendide, mais en plus, la visite donnerait de mystérieux pouvoirs. Malheureusement, personne ne veut m'en dire plus. Ces ignorants ne mettent pas le pied hors d'ici et osent me considérer comme un excentrique parce que j'aime voyager. Mais je n'abandonnerai pas à l'ami. Et si un jour j'apprends quelque chose, je t'en ferai pas. D'accord. Bah merci, tu m'as déjà bien aidé. Qui va là? C'est la demeure de Damimpa ici. Mais cet objet, ce ne sera pas une tablette chez Ika? Mais alors, tu es... Non, se pourrait-il que... Désolé, messieurs, mais je voulais pas vous parler. Désolé. Pardonne-nous notre impolitesse. Damimpa nous a parlé de toi. Passe, je t'en prie. Non! J'ai trop faim! Pricotta! Attendez, je vais mettre une pomme, là. Est-ce que j'en ai? J'ai pas de pomme. Je vais chercher une pomme, messieurs. Désolé, je stoppe pas Damimpa. C'est juste que j'ai besoin de pommes, là. Il n'y a pas de poignée ici. Je vais regarder qu'est-ce qu'il y a comme vêtements. Là, il y a des œufs, là. Je suis sûre, il y a des œufs. Ah, in my pocket. Mais ouais, j'avais raison. T'imagines payer pour tout pas ça? Alors que c'est juste là. Toi qui as surmonté des épreuves et obtenu un emblème de triomphe, je vais t'offrir plus de puissance. Malheureusement, ok. Merci. Faut que je fasse plus de sanctuaires. Par contre, il n'y a pas un pognon quelque part, madame? Ah, oh, c'est lui qui peint, en fait, ça m'a fait peur.
Vous avez vu ce magnifique petit pont là? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau! Ça, j'ai déjà fait ça, c'est le truc de la nuit, ouais. Oh, regardez! Il saute! Oh oh! Et dans ça, il y a un truc parce que ça bouge. Y a absolument rien. Absolument rien non plus. Ici. Très bien. Ok. Là, il y a des pommes. Magnifique ce village. C'est trop beau. C'est trop beau. Why are you so beautiful? Cette maison est un peu cachée. Avant d'aller dans la maison, quand même, je fais un petit tour. Il y a une poule ici. Oh, regardez, j'ai payé des carottes. Non. Ces carottes sont splendides. Quelqu'un a dit se donner beaucoup de mal pour les faire pousser. Je peux pas les prendre. Escargot silence. Oh. Je découvre des animaux même. Monsieur! Monsieur! Oh! C'est pas tous les jours qu'on voit un jeune gaillard comme toi dans ce village. Mais dis-moi, ce n'est pas assez gigasse pour moi? Oh, oh, je plaisante. Tu avais un air si sérieux que je n'ai pas pu m'empêcher de te taquiner un peu. Nous appelons gigas ceux qui ont juré fidélité au fléau Ganon. N'ont aucune pitié envers ceux qui s'opposent à Ganon. Depuis le séisme de l'autre jour, ils semblent plus actifs. Mais je ne pense pas que tu fasses partie du clan des gars. Moi-même, je le vois bien. Allez, ne m'en veux pas. Tiens, je te donne ça pour faire pardonner. Oh, merci! Cette citrouille en mots est une spécialité du village Cocorico. Je l'ai cultivée avec amour et tu verras, c'est un régal. Si tu veux d'autres, je t'en donnerai avec plaisir. Tu n'as qu'à venir me voir quand je suis dans mon potager. Oh! Qu'est-ce qu'il fait dans ce potager? Il court autour des carottes. Et voilà, c'est tout. Il fait rien dans son potager. Vous avez vu ça? C'est quoi ce truc là? Une pomme. Une pomme qui était là. Par contre, c'est juste trop beau ce village. Ce village est magnifique. Mais non, avant. Faut que j'aille dans celle-là avant. On peut pas. Bon, c'est juste une maison, celle-là, il n'y a aucune fonction. Voilà, c'est magnifique. Ok, ok. Là aussi, il y a une maison. Et ça, c'est qui? Encore? Qu'est-ce que tu fais là au beau milieu de la nuit?
secret d'une bonne défense, c'est. Après tout, il y a une technique secrète. Vas-y. Le maître épéiste vivait ici il y a bien longtemps. La structure du village lui est consacrée. Il paraît que celui qui surmonte son épreuve sera capable de maîtriser la technique secrète de défense. Mais personne ne sait exactement en quoi consiste cette épreuve. Alors je m'entraîne afin d'être prêt à le jour où cette épreuve apparaîtra. Ok. Désolée de vous réveiller, grande madame. Je suis vraiment désolée. C'est bon, je suis pas morte. Oh, je t'ai pris pour mon Tyrol. Oh, quand je dors, ma respiration est si légère que mon mari a toujours peur que je ne respire plus. Résultat, c'est lui qui me réveille. Ah, les autres, toujours à s'inquiéter, c'est terrible. Bah, c'est de l'amour, madame. Mais c'est trop beau, ce village. Bon, je pense pas qu'aujourd'hui on va faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, on va juste visiter le village. Et dans l'épisode prochain, dans l'épisode prochain, on va faire plus. On va aller voir Impa. Là, je sais même pas si je dois aller dans celui-là. Non, je n'y étais pas. Bonjour, madame. Ambroise. Dis donc, toi, tu n'as pas honte d'entrer dans la chambre d'une dame en pleine nuit? Oh, mais c'est une table chérie que tu as là. Serais-tu le héros dont grand-mère m'a parlé, le chevalier légendaire? Eh ouais. Ah bah ça alors, c'est drôle. Je me serais attendu à ce que tu sois plus vieux. Nous les jeunes, on comprend pas vraiment ce que les anciens racontent. Ok. Mais avoir la tête, j'ai l'impression que tu sois plus au courant que moi. Un peu à la ramasse, le héros. Mon dieu, tu devrais peut-être aller voir Impa. Je suis sûre qu'elle pourra te mettre un peu à la page. Ok, désolée. Désolée d'entrer dans ta maison comme ça. Tu peux fermer la porte, hein, madame. Maintenant que je suis sortie, tu peux fermer la porte. Attendez. Là, il y a quoi en haut, là? Oh! Oh, jeune voyageur, désolé, je crois que je me suis foulé la cheville. Oh non, banana! Oh là là! Je suis un peu gênée que tu me trouves dans cette situation. Jeune voyageur! Cet objet suspendu à ta ceinture, où l'as-tu trouvé? Ah, le mec il part pas. Bah, je l'ai trouvé quand je suis née. Bien, bien, je vois. Cette tablée chez K est la preuve que tu es l'élu. Il n'en reste plus beaucoup de chance. Bah, montre qui saura te reconnaître. Nous autres chez K, nous attendons ta venue depuis fort longtemps. Va vite voir notre chef. Dame Impa. La demeure de Dame Impa se trouve au pied de la chute Plumage, par là-bas. Tu sais, c'est meilleur d'avoir pu la rencontrer. Heureusement que j'ai eu la chance de vivre assez longtemps. Ok. Ok, mais madame, vous êtes cassé la cheville, hein? Vous êtes cassé la cheville, madame. Mais là, si on fait ça, on sort du village, il me semble. Hein, ouais. Donc, on va pas sortir du village. Il n'y a pas un truc qu'on peut faire avec cette pierre, hein? Non, on ne veut pas sortir du village. Allez, on y va. Pipi. Un village magnifique.
peux faire un truc avec ça? Non, on peut rien faire avec ça. Là, je suis pas encore entrée dans cette maison, je crois pas, hein? Si? Ah non, là, je suis entrée. Ok. Et là? Là, non. Oh! Elles sont trop choues. Je leur ai déjà parlé, alors. Je les laisse. Ça fait trop bizarre, par contre, de rentrer dans la maison des gens quand ils sont en train de dormir. Oh, regardez! Ça, c'est un qui m'a donné. Mieux vaut attendre que la propriétaire revienne plutôt que cueillir sans permission. Effectivement. Bon, alors, j'ai fait ça. J'ai vu cette maison aussi. Là, il me semble que je suis pas encore entrée. Ah, il y a des vêtements ici. Bienvenue, bonjour madame. Bienvenue dans la boutique des vêtements de quatre petites mains. Un conseil, jette immédiatement un œil à cette combinaison furtive. Juste là, je me serais trop la recommandée. C'est ça, quand tu la portes, c'est à peine si on entend le bruit de tes pas. Parfait pour la chaise, par exemple. Bon, elle affaiblit aussi un peu la défense. C'est le seul hic. C'est de ça que tu parles? Ah ouais, c'est ça. Technique, tunique ilienne. 120. Capuche ilienne. Pantalon ilien. Ou alors. Chaussures furtives. Combinaison furtive. Oh là là, masque furtif. Ça, on dirait la tenue de Sheik dans Zelda Ocarina of Time. Mais c'est beaucoup trop cher, madame. C'est beaucoup trop cher. Et celle-là est beaucoup plus swag en plus. Alors, il faut que je me fasse des sous. Mais est-ce qu'il y a un moyen de se faire des sous ici? Y a pas un moyen de se faire des sous ici. Ah, tiens, je vais mettre une pomme là. J'étais allée chercher les pommes justement pour ça. Je t'ai trouvé! Korogu! Korogu! Attends. Bon, après, une fois que je t'ai trouvé, en théorie, je peux voler les pommes, non? Ouais. Prends juste les pommes. Voilà. Mais là, il y a une dame qui veut absolument que je prenne. Bonjour, monsieur. Ghost. Tiens. Ton visage me paraît vaguement familier. Ah ouais? Ah, ça y est, je sais. Parce que tu ressembles au gamin qu'on a essayé de nous sauver autrefois au temps de grands fléaux. Bah oui, c'est moi, monsieur Goustan. Qu'est-ce que tu dis? Tu prétends que c'est toi, le brave chevalier d'il y a 100 ans? Ah. Elle est bien bonne, celle-là. Mais ça prend pas, gamin. Si c'est vraiment toi, t'auras la lame légendaire, l'épée purificatrice. Comment on l'appelle? Soyez jolie, tu vois. On dit que pour affronter le fléau, il faut s'entraîner avec une lame taillée dans la plus belle carotte tempo. Quoi? Qui a sculpté son corps en consommant que de la carotte tempo. Ok. Et qui a purifié son âme en
avec des décoctions de carottes tempo. C'est ce que grand-père a toujours raconté, en tout cas. Arrête un peu de raconter des bêtises, grosse comme toi, gamin. Merci. Il faut des carottes, gamin. Tu peux en acheter chez ma femme. Et si tu veux devenir grand et fort, je peux peut-être te filer un coup de main. Ah ouais? Vas-y, file-moi un coup de main. La meilleure défense, c'est l'attaque. Tu veux t'entraîner à l'épée, gamin? Montre-moi. Ah ah, tu t'intéresses au tonique d'attaque, c'est bien ça. Tu veux imiter le fameux chevalier, pas vrai? Nous autres, les Sheikas, nous excellons dans plus d'une discipline et le combat en fait partie. Bien sûr, je vais te révéler toutes nos techniques secrètes, faut pas rêver. Mais je veux quand même te montrer deux ou trois ficelles. Attaque sautée, attaque surprise. Attaque surprise. Attaque sautée, du coup. Puis tu attaques en haut et plus faire de dégâts. Si tu sautes trop haut, tu risques de te blesser toi-même. Ah, ok. C'est bien utile d'attaquer par surprise ou en groupe d'ennemis depuis des hauteurs. Ok, attaque sautée. Une attaque en l'air couvre une large surface. Le mieux à faire avec l'arc, c'est de toujours tenter de l'expérience. D'autres questions? Attaque surprise. Pourquoi ce regard réprobateur? L'attaque par surprise est une stratégie tout à fait légitime. Ah non, mais moi je suis totalement d'accord. Approche-toi d'un ennemi par derrière sans faire de bruit. Et avant qu'il t'ait remarqué, oh, tu lui fais goûter ta lame. C'est plus facile si tu t'accroupis avant de t'approcher. Et tu peux faire plus de dégâts quand personne ne t'a vu venir. Ouais, je sais qu'on m'a compris, hein, désolé. Ok. Ciblé, je pense que je sais déjà. Ok. Donc ça, c'est... Ah, je connaissais pas... Hein. Merci beaucoup, monsieur. Mais personne... Alors, j'ai pas le choix, je continue à rentrer les jours. Ok. Ça, c'est génial, par contre, parce que je savais pas du tout. Alors, elle vend peut-être des vêtements, c'est ça? Non, elle vend pas des vêtements du tout. Ça vend des carottes. Ça vend des potions. Ah, des flèches. C'est ici les vêtements. Il y a qui ici qui a des vêtements? Ok. Donc je recommence l'introduction. J'ai eu quelques soucis à tout le monde pour tout ce qui est setting et tout. C'est le premier live que je fais sur Twitch. Donc pour ceux qui vont regarder la vidéo sur YouTube, c'est mon premier live sur Twitch, donc c'est pour ça que c'est pas un siècle que je parle là, mais que je ne fais rien du tout. Alors aujourd'hui, on va continuer notre série Breath of the Wild Challenge. On doit finir le jeu avant que le prochain arrive. Et on était arrivé, il me semble, au village Cocorico. On avait fait pas mal déjà de trucs, on avait découvert un peu. Et donc aujourd'hui, on va continuer avec la mission... rencontrer Impa et aussi activer le sanctuaire. Donc c'est parti, allons-y. J'entends le son en décalage en fait. Vous n'avez pas assez de force pour escalader les surplombs, vous pouvez. Si vous essayez, vous tomberez. Ok. Il faut gonfler. D'accord. Je sais pas du tout c'était quoi la suite du coup. Donc nous le voilà sur au village Cocorico. Oh là là, il y a un décalage de malade. Il y a un décalage de malade. Bonjour monsieur. Il paraît qu'une mystérieuse fontaine est cachée quelque part sur le flanc de la montagne qui surplombe le village. Mmh.
Si tu la cherches, je te conseille de prendre avec toi de la nourriture qui facilite l'escalade. D'accord. Merci. À propos, j'ai quelques articles que j'ai rassemblés au cours de mes voyages. Tu veux jeter un coup d'œil? Qu'est-ce que tu as? Cuisiner mes articles permet de restaurer l'endurance. C'est indispensable pour l'escalade. Waouh! Wow. Crabe! Où est-ce qu'il a trouvé ça? Qui sort en ombre quand il pleut est si savoureuse qu'elle fait oublier toute fatigue. Cuisinez-la pour votre préparation. Okay. Cet insecte précieux capable de vivre jusqu'à 10 ans a une vitalité telle que les remèdes qui en contiennent remplissent grandement la jauge d'endurance. Waouh! Alors, je ne connaissais pas du tout. J'avais jamais vu de scarabée sur Zelda. Bon, tant pis. Hein. Je prends ou pas. Oh, c'est trop cher. Par contre, tu veux pas m'acheter des trucs? Il te faut autre chose? Achète-moi des trucs, mec. Moi, j'ai plein de trucs à... 5. 10. 3, 60, 30. Pourquoi ça vaut rien ces trucs-là? Je comprends pas. Ça devrait valoir des tonnes. Bon, c'est pas grave. Bon, monsieur, merci beaucoup. Non, par contre, est-ce que tu peux rester dans le village, s'il te plaît? Histoire que je te pars quand j'ai fini de visiter. C'est horrible le décalage. Franchement, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Je pense qu'on va commencer par le sanctuaire. Allons-y. Non. Moi, je fais le sanctuaire, madame. C'est parti. Bon, ça, ce que je veux faire, c'est qu'au lieu de regarder... Ah ben non, je peux pas. Je disais que j'allais regarder la diffusion live, mais je peux pas. Il y a genre 5 secondes, j'ai l'impression, de décalage. Même plus. Ah là là. Bon. C'est parce que c'est la première fois. Bonjour. Ah, c'est vide. Taronihi t'accueille dans ce sanctuaire au nom de la déesse Ilia. Reçoit son enseignement. Enseignement de Taronihi. Ok. C'est tout? Ah! What? Sors ton bouclier, mec. Sors ton bouclier! Est-ce qu'il attaque d'un saut latéral et profite de la brèche créée? Ok. Ok, se déplacer, sauter. Cible verrouillée. Ok. Maintenant, la cible, elle est là, mec. Voilà. Mais, ah, par contre. Ouais, mon épée. Mais, par contre, c'est pas une bonne épée. Celle-là, plutôt. C'est bon. Non, c'est bon, j'ai dit.
C'est très bizarre. Hein. C'est très bizarre. Hein. Vraiment très bizarre. Si, ouais, elle touche, c'est toujours pas. C'est toujours pas là. Ah. Ok, mais je fais exactement ce que vous me dites. Alors, il faut que je fasse comment? Ah, ok. Ça y est, c'est bon, j'ai compris. Il profite de la pour contre-attaquer. D'accord. Ok. Et là, il faut sauter en arrière. Oh mince. Oups. Alors, attends, je prends un autre bouclier, mec. Attends. Ah. Et touche. On va avec celui-là. C'est parti. X. Saute, mec. C'est pas assez près. Voilà. Ah. Y. Vas-y. Yes. You did it. Ok. Ok. Hop. Oh. Ok, je vais voir. Juste au moment. What? Ça n'a pas marché. What? Ça n'a pas marché. Ouh. I did it! Ok. Ça, je sais déjà comment faire. D'accord. Hop. Mec. Hop. Yeah. Bon, ok, ben c'est bon. Hein. C'est cool. D'accord. Non. Je vais ramasser ça. Wow. Super. On va récupérer ça. Et on va récupérer ça. Trop bien! On va se m'en revoir. Il y a ça. Oh! Ah ah! Et c'est quoi l'épée que j'ai ramassée, ça? Mmh. Et là, si je mets avec la tenue Sheikah qu'il y a dans le magasin, je serai tellement classe. Oh oh! Attends, mets-toi dans la lumière. Oh oh! Attends, comme ça? Comme ça? Oh oh! Ok, c'est bon. Je vais repartir avec quelque chose d'un peu plus classique. Celle-là. Avec. Non, faut que j'arrête de faire ça. Ça. Ok. C'est où la pièce? C'est là-bas. Alors, faut que je refasse. Hop. 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 Ok. Désolée. J'avais envie d'éternuer. Il y a quoi dans ça? Oh, pas gros. Merci beaucoup. Il n'y a pas un coffre que j'oublie, là? Je regarde bien. Hein. Parce que parfois, il y a des coffres cachés dans les sanctuaires. Bon, c'est bon, il n'y a pas. Ça, c'est un sanctuaire Sheikah. Peut-être qu'ils le sont tous, d'ailleurs, mais je n'ai jamais fait attention. Bonjour. Oh, il a un chapeau. J'ai l'impression que c'est la première fois que je viens là. C'est pas normal.
remportant la victoire, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Oui. Au nom de la déesse Ilia, reçois l'emblème du triomphe. Désolée, j'ai passé. Hein. Merci beaucoup. Ok. Puisse la déesse Ilia te protéger. Merci, monsieur. Voilà. Youpi. Ok. Bon, ben, tranquille. On va visiter cette forêt, là, juste un petit peu. Ou bien c'est juste la sortie du village. Ils ont dit qu'il y avait une sorte de... de fée, c'est ça qu'il disait? Dans les montagnes en haut? C'est pas ce qu'il disait, le gars? Elle est où la fée? On est dans la montagne. Oh, je l'ai trouvé! Waouh! D'abord, je vais récupérer les fleurs. Hop là! Hop là! Hop là! Non, arrête, Link. Ça suffit. Ne monte pas n'importe où. Je l'ai trouvé. Ça, c'est quoi ça? Une carotte! On va pouvoir faire le mélange bizarre! Yes! Vous pensez qu'on peut attraper les fées? J'ai pas de bouteille. Dans les anciens soldats, il fallait des bouteilles pour attraper les fées. Waouh! On peut juste les attraper. Ok. D'accord. Ok. Je vais prendre celle-là aussi alors. Viens là, ma petite. Viens. Viens. Hello. Viens. Laisse-toi faire. Laisse-toi attraper. Pourquoi tu te laisses pas faire? C'est quoi ton problème? Super. J'ai attrapé celle-là. Il ne manque plus que celle-là. Voilà. Ok. Je reviens, madame la grande fée. C'est juste que je continue à fermer un petit peu avant de vous réveiller. Il y a seulement des trucs spéciaux dans ces arbres. Non, il n'y a rien. Bon, ben, alors réveillez madame la grande fée alors. Ouf. Un homme, jeune homme, écoute ma requête. Je t'écoute. Je suis la grande fée Kotura. Autrefois, cet endroit était une fontaine resplendissante. Mais au fil des ans, le don des rubis se faisait plus rare. Je me suis affaiblie au point de me trouver dans cet état. Alors je t'en prie, offre-moi quelques rubis. 100 rubis devraient suffire. Et que je recouvre toutes mes forces, je suis sûre que je pourrais être utile. Allez, si tu as des rubis, donne-en vite. Oh non! Pour retrouver toutes mes forces, il me faut 100 rubis. Mais je voulais acheter des tenues, madame! Oh là, merci, j'en avais besoin. Je sens une puissance débordante.
Anna! Par contre, la musique est trop bien. Que c'est agréable. Cela faisait longtemps que je n'ai pas respiré l'air extérieur. Tu m'as été de grand secours. Grâce à toi, j'ai retrouvé tous mes pouvoirs. Bien, à moi de te venir en aide. Si tu as les matériaux nécessaires, je peux améliorer tes vêtements. Veux-tu qu'on essaye? Actuellement, je peux rendre tes vêtements un peu plus résistants. Ça t'intéresse? Ok, vas-y, ouais. Je t'ai payé. Je pense que je peux l'améliorer pour ta vie. Que tu as là. Vas-y, vas-y. Bien, c'est parti. Pantalon lien amélioré. Mec. Voilà, c'est terminé. Ce vêtement est un peu plus résistant. Les vêtements acquièrent parfois des pouvoirs spéciaux quand ils sont renforcés. Mais il faut porter tout un ensemble de vêtements assortis pour que ce pouvoir se déclenche. Je voulais renforcer d'autres de tes vêtements, mais on dirait que ce n'est pas possible. Si tu trouves des vêtements ou des matériaux, ou bien si tu rends cette force à l'un de mes sœurs, reviens me voir. D'accord. Par contre, c'était beaucoup trop cher. Je suis pas d'accord au final. C'était beaucoup trop cher. Oh, phew. Je suis heureuse de te revoir. Veux-tu que je renforce tes vêtements? Tiens. J'ai bien peur qu'à l'heure actuelle, je ne puisse pas renforcer tes vêtements. Voyons cela de plus près. Montre-moi les vêtements que tu possèdes. Non, ça ira. Tu t'en vas déjà? Tu vas me manquer. Bien. Au revoir. Excusez-moi, madame, mais je peux pas sauter. Oh. Wow, j'ai sauté. Je suis en train de nager dedans. C'est une bouche. Ce sont des dents. Oh mon dieu, quelle horreur. Ça ressemble pas un peu à des dents et ça, une langue. Des dents et des langues. Ok, c'est une fleur, c'est une fleur. Par contre, madame, j'ai payé 100 rubis pour rien, là. Ça m'énerve un peu. Comment je vais faire? J'ai pensé 100 rubis. La tristesse. Village Cocorico. Sanctuaire Taronivi. Hop! Allez, ma poupoule! Yeah! Il est où là? La maison dans laquelle je dois aller là? Ah, c'est ici. Hop! Oh. Elle est pas contente. Monsieur? Ah mince! Monsieur, attendez! Monsieur! Quand j'étais là, je m'entraînais du soir au matin. Mais c'est fini tout ça. Ok. Ah, c'est le gars qui m'entraînait, ok. Franchement, je vais dormir et continuer demain. Jusqu'au matin.